lorsque je loue le Seigneur. I want to thank everybody that is here. J'aimerais remercier tous ceux qui sont ici. The men of God that has come here. Les hommes de Dieu qui sont rassemblés ici. Administrators, les administrateurs, chief of villages, les chefs des villages, and all lovers of Jesus Christ that are here. Et tous les... Make a joyful noise to Jesus Christ. Let it be more louder, let it be more louder. The Bible says, la Bible dit, humble yourself, humilie-toi, and God will lift you high. Et Dieu va te lever. When you see me kneeling down, lorsque vous me voyez m'agenouiller, I am not kneeling because I want it. Je ne m'agenouille pas parce que je le veux. It is the power of humility in me that makes me kneel down. C'est la puissance de l'humilité en moi qui me fait m'agenouiller. If anybody here, si tous ceux qui sont you ici, can know how big God is, you'll be sleeping on the floor to worship Him. Amen. Amen. It is automatic. Once it is in you, it's automatic. Lorsque c'est en vous, c'est automatique. You find yourself kneeling and standing. Kneeling and standing. Vous pouvez, vous that vous is lever. The power of humility. C'est la puissance de l'humilité. For we are not here. Car nous ne sommes rien. You know, many men will say, God has said, God has said, God has said. Beaucoup d'hommes diront, Dieu a dit, Dieu a dit. But the day you will really hear God's mighty voice from the throne, mais le jour vous allez thundering, talking to you, la puissance de Dieu qui vous parle, you will not continue saying, God say, God say, God say. Vous you will be humble forever. Vous allez être humble pour toujours. Yes. Oui. Many men today, beaucoup d'hommes aujourd'hui, they go down talking to themselves and say, God say, but by the fruits, you see that God is not talking to them. Yes, because if God is really talking to you, you will defend the title of God on earth the way God says it in the Bible. You have no other interest but for the advancement of the kingdom of Jesus Christ. You will not want to increase yourself, tu ne voudras pas ta croix, or increase your church, ou bien que or increase soit, whatever. Ou quoi que ce soit, you will have one divine love for Jesus Christ. Tu auras un amour divin pour Jésus Christ. Terminé. I have come here. Je suis venu ici. I will talk to the church in general. Je vais parler à l'église en général. I will talk to the land. Je vais parler à la région. I'll be talking to the few people that are here. Je vais parler à peu de but I'm talking to the whole western region. Don't bother. Mais je vais parler à toute la région de l'ouest. Ne vous inquiétez pas. I am not the one doing it. Je ne suis pas but there is a team from heaven that has assigned me to talk this thing. They are the one doing it. A man stood in Israel, un homme s'est tenu à Israël, and said, et il a dit, from today, il a dit, the whole territory of Israel, tout le territoire d'Israël, you will have no rain for how long? Vous n'aurez plus de pluie. So, was the man filled in the whole Israel? He was in one small corner, but when he spoke, the team of God went on and caught rain from under the heavens. God has sent me for this mission in this land, Bafoussam, Western region, la région de l'Ouest. You must, it is a must, M-U-S-T, it's a must, you must worship Jesus Christ. Can I have my Bible? Puis-je avoir ma Bible? Lovely people of God, aimable peuple de Dieu, can you lovely be seated in the heavenly places so that we can discuss from the let's open the Bible. I will talk to you from the word of God. Je vais vous parler depuis la parole de Dieu. And we will see how the word of God will go to work. Et on va voir comment la parole de Dieu va évoluer. Amen. Amen. If I talk to you something out of the word of God, don't listen to me. Quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, vous n'allez pas m'écouter. But I'll talk to you from the word of God. Mais je vais vous parler de la parole de Dieu. And the word of God will go to work. Et la parole de Dieu va travailler. If you keep on talking your words, you will fail. Si vous déclarez toujours vos paroles, vous allez échouer. The word of God, you will never fail. Mais si vous déclarez la parole de Dieu, vous n'allez pas échouer. The word of God will never fail. La parole de Dieu n'échouera jamais. Let's open the Bible, book of Exodus. Ouvrons la Bible dans le livre d'Exode. Exodus chapter 20. Exode chapitre 20.
Are we there? Est-ce que nous y sommes? Exodus chapter 20. Exode chapitre 20. If we are there, Exodus is a book in the Old Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Are you there? Yes. Est-ce que vous y êtes? Exodus chapter 20 from verse 20. À partir du verset 20. Are we there? Est-ce que nous y sommes? Clap for Lord Jesus Christ. Applaudissez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Clap for Jesus again. Applaudissez pour Jésus pas de plus. Don't be afraid, for Moses answered them, for God has come in this way to test you, and so that your fear for him will keep you from sinning. Amen. 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 Clap for our Lord Jesus Christ again. Exode chapitre 20, verset 20. Moïse répondit, n'ayez pas peur, si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Et pour que vous le reveniez afin de ne pas pécher. Amen. When you have the fear of God, lorsque tu as la peur de Dieu, fear of God, la crainte de Dieu, leads you to righteousness and godliness. Te dirige à l'intégrité et à la sainteté. Amen. When you have the fear, tell your neighbor, when you have the fear of God leads you to godliness and righteousness. La crainte de Dieu te dirige à la piété et à la justice. The trouble that goes on in the church today, le problème qui se passe à l'église aujourd'hui, is because many men has lost the fear for God. C'est parce que beaucoup d'hommes ont perdu la crainte de Dieu. And divinity has gone away. When you don't fear God, you can never experience divinity. Et lorsque tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas avoir la divinité. And when there is no divinity in the church, et lorsqu'il n'y a pas la divinité à l'église, there cannot be a miraculous environment. On ne peut pas avoir un environnement. When divinity goes away from the church, la divinité approche, you will not see the presence of God in the church. Vous n'allez pas voir la présence. And the church now will become physical. Et l'église va devenir physique. And when it's physical, et lorsque l'église est all decisions will be physical. Toutes les décisions vont devenir. There is no way you will hear a man of God say, I want to go and seek the face of God in every decision I want to make. Vous n'allez pas entendre un homme qui nous dit, je veux voir la. They will sit down, calculate decisions and place them. Ils vont calculer les décisions. According to sense thinking. Not according to spiritual guidance. The Bible says, he that have my spirit shall be led by my spirit. A man of God is supposed to be led by the spirit of God who has called him. God will be telling you, stand here. But you prefer standing you there because your physical body demands you to stand there. Mais tu préfères te tenir où tu veux parce que ton corps physique te demande de te tenir là-bas. Yes. And God is saying, stand here for you is not correct for you. Dieu te dit, tiens-toi ici, mais pour toi, ce n'est pas correct. But your heart desire but this other side. Ton cœur désire autre chose. And when you cannot walk with God, et lorsque tu ne peux pas marcher avec God toi, cannot walk with you. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Let somebody walk with God. Si à quelqu'un marche avec Dieu. Walk with God. Marche avec Dieu. If you have the fear of God, si tu as la crainte de nos yeux, you will not go to marabout houses. Tu ne vas pas aller dans les hôtels de marabout. If you have the fear of God, si tu as la crainte de nos yeux, you will not worship nyang nyang. Tu ne vas pas adorer nyang nyang. Call it nyang nyang, hein? C'est comme ça qu'on l'appelle. If you have the fear of God, si tu as la crainte de nos yeux, you will not do occultism. Tu ne vas pas faire l'occultisme. If you have the fear of God, si tu as la crainte de nos yeux, you will not kill to have money. Tu ne vas pas tuer pour. If you have the fear of God, si tu as la crainte de nos yeux, you will not destroy. Tu ne vas pas détruire. All things happen because people don't have the fear of God. Ceci arrive parce que. But the Lord said, I have come to bafou ça. Mais le Seigneur a dit, je suis this capacity, avec cette capacité, so that my people will see my alarmness. And answer the prayer of my prophet Elijah. J'ai répondu aux prières, j'ai exaucé les prières d'Élie. A man stood on earth as we are standing. C'est tenu sur la terre comme nous. Call upon heaven. Il a prié aussi. Fire landed on earth. Et le feu a atterri sur la terre. Non. Non. Sur place.
I want the church in Bafoussam to be clean. J'aimerais que l'église de Bafoussam soit nettoyée. Because after this, there will be a lot of revival in Bafoussam. Parce qu'après aussi, il y aura un temps de réveil. Not only in Bafoussam, in the western region. Pas seulement Bafoussam, mais dans la région de l'Ouest entier. You will pray, God will tell you that He is the one that sent me. Don't bother. Vous allez prier, Dieu va vous révéler qu'il est celui qui m'a envoyé. Don't bother. Ne vous inquiétez pas. All you need to do is faites la prière. Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est votre serviteur ici? C'est vous qui envoyez ce monsieur à Bafoussam? Faites donc la prière. Ne calcule pas. Ne me regardez pas physiquement. Ne jugez pas quelque chose autour de moi physiquement. Mais regardez et allez prier si c'est le Seigneur qui m'envoie. Because when I'm talking, lorsque je parle, many people are looking, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est... You will look like that. That is why they will fail you now. Oui, c'est pour ça. Ils vont venir te tromper là. Dis à ton voisin, ne regardez pas un homme de Dieu comme ça. Que l'aspect physique ne soit pas ton manière de jugement. Il faut le prendre spirituellement. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. It's because people don't fear God anymore. C'est parce que les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Yes. Oui. You think God is not more alive? He is really alive. Vous croyez que Dieu n'est plus vivant? I have come to tell people here. Je suis venu informer. Jesus Christ of Nazareth. Que Jésus-Christ de Nazareth. Is alive. Est vivant. It is not a courtier or that is alive. Ce n'est pas les hôtels plus de qui sont vivants. Please. S'il vous plaît. Believers. Croyants. People of God, peuple de Dieu, I have come to tell you to impose. Je suis venu vous demander church, imposer. Imposer. We have been imposing and we are successfully imposing. Nous avons imposé et nous le faisons avec le site. A church that does not impose, une église qui ne s'impose will pas, face stagnation. Because Satan has placed sickles all around. Placed his people all around. To press the church down and cancel the church. So that of God is not supreme, friend. You will know. They will be a prophet of God. And God will not work. They will not work. They will not work. This is happening because when they are pressing the church, they don't want the church to pray more. They don't want the church to be stopping their occultic powers. They will go to administration, send problems everywhere. Even the authorization of a church is right from the presidency. But the authorization of off license is from the Lucas. From Joe. I know there are many administrative police, all the security, they are there. I always talk, I know they are there, but take my message to hierarchy. I talk with God, I'm not afraid of anybody. I talk right to Yaoundé. I talk to them. It's very bad. It's very bad for a nation. The church is the one bringing good conduct in the land. The church is the one stopping banditism. The church is the one stopping prostitution. The church is the one stopping all these bad witches and witches. But why can they not promote the church? Amen. Please. It's very important. I was talking to one of the administrators in the town here. Yes, I was talking with him today, and I've been talking to them. I tell these things. For Cameroon to breathe fresh air from heaven, you need to start learning how to listen from men from heaven. Because it is heaven that created this earth. If this earth where we are, who created it? Who? Is it government? Who? God. So from God, through men of God, you can know how to live on this earth.
Amen. Amen. Please, s'il vous plaît. The Bible says we should respect administration. La Bible demande de respecter l'administration. It's not that we should hear from them. Ça ne veut pas dire que nous respect, but don't hear from them. We are supposed to tell them what to do. Nous sommes censés leur dire ce qu'ils doivent faire. Because God is an organized God. Parce que Dieu est un Dieu organisé. And God wants that the administration to organize themselves better. Et Dieu veut que l'administration s'organise davantage mieux. And better organization is when the organization is facing the real direction of God. Et une bonne organisation, c'est lorsque l'organisation est dirigée par Dieu. Even the body man just called that. Okay. This church is singing and making noise. Come and lock that church. They will lock it now. Now. Very well, organized soon. Make noise all over the whole night. They cannot lock that place. What is the meaning of that? I'm going around Cameroon. Don't worry, we have started somewhere here. And any man of God, you will answer before God on the last day. If you are only there to eat in church, church grow, benefit, and you cannot go out and bring the truth, the truth is burning in you. You cannot go out and talk it. And let your life be saved. You are a man of God, you can talk and think straight. You can talk. Talk to them. People are afraid that when they talk, they'll begin to disturb their church work. No. If God is blocking you, that church cannot be touched. You are not meeting a big man to be rich. No. You are not a man of God. You are not meeting a big man to be rich. No. You are meeting a big man, an administrator, a big businessman, or whoever. The director or whoever, you are meeting him because God has wanted to use you to make a man come to kingdom. But if you are using it as an opportunity to become rich, those riches will end now and you will go back poor. And your church will not be working. He shall know the truth. And the truth shall set you free. Why are you talking the truth? How are you carrying the truth? How are you carrying the truth? Oh God bless my church. Add more members. Oh God, continue. You will remain in that church forever with 10 members or 20. But when you carry danger, you go out and face danger. You go out and speak the truth. Yes, we. Our Lord Jesus Christ taught us so well, fully. Notre Seigneur Jésus Christ nous a bien enseigné. Without himself, he went out and faced and challenged the feet of God. Et il est allé et confronté. Are you reading your Bible? Lisez-vous he went Bible. Out and faced the Pharisees. Il est allé confronter les Pharisiens face à face. Face them. Il les a confrontés. Because they were no more talking the truth. Parce qu'ils ne disaient plus la vérité. They have already hold the church into tradition. Ils avaient déjà fait de l'église une tradition. Because of tithes. À cause de la dîme. A lot of tithes. Pour les dîmes. Whether you are fornicating, bring my tithes. Même si je fornique, apporte ma dîme. Whether you are fornicating, bring my tithes. Même si tu fornicates, c'est comment? Oh, I didn't want to talk to. Can I talk to somebody here? You are opening service. Vous ouvrez le culte. Brother, you are so good. Ben, tu es si bon. Tu es si bon. There is no one like you. Et nul n'est semblable à toi. Tu es si bon. And then, you have looked around, only 10 members of 20 are there. Et lorsque tu les gardes, tous les 90 avaient. Les offrandes aujourd'hui là, c'est des petits mois. C'est comment? You are discouraged before service is starting. Can God use you? Can God use you? This is a prayer of a divine man of God. Voici la prière d'un homme de Dieu. Father, you are so good. Père, tu es si bon. Let only the divine ones come to
the church today. Father, let it only be a divine proclamation today. And you will see the church divinely getting filled. But if you are using in your spirit physicality to make church feel your voice, the Bible says God added to the church. Not man or physicality or sense knowledge added to the church. In your quarter, where the church is, you have not even. Remember, people, when they did that quarter, you have not even filled the church with that people. Your next door neighbor is not even a Christian in your church. They are mocking your church, mocking your ministry. But you are there fighting members from a faraway church. Why do you take my member? Please, I have come to talk to the church. I have sent out the message. Make sure you pray whether is it God that sent me, you will know. As the men of God are behaving like this, the land is facing captivity. Let us turn our face from physicality to spirituality. This is the moment. Men of God, take time. Go to prayer. Allez, go to mountain. Fast and pray. Desire to meet God always. Desire to be in the presence of God. Not because God was using you yesterday. Now you sit now for your hand. So vous allez vous accroire à soi. You need to grow in what God gives you. As you sit and for your hands, only remembering testimony of yesterday, God did this. Yes, what of today? You need to grow. Be revived. Even the men of God need revival. They should not mock your church. But they should go around talking about the miraculous things God is doing in your church. And if you are a man of God, and your mouth is opening to save, why are people only running and going to miraculous church? Pourquoi est-ce que les gens fuient pour aller seulement dans les églises? You will never be in that realm of miracles. Vous ne serez jamais dans ce monde de miracles. Look from Jen, where you look from Matthew. Depuis Matthieu. To John, where our Lord Jesus Christ came and spoke. Jusqu'à Jean, là où le from Genesis to Revelation. De Genèse à Apocalypse. There is no place God passed and there's no miracle. Il n'y a pas d'endroit où Dieu est passé où il n'y a pas eu de miracle. Nowhere. Nulle part. Please. If you are talking that in your spirit, si vous dites ceci dans you need to repent today because you will impose a new standard. Parce que vous allez faire passer yes. Standard. Refuse to have a stagnant church. Refuse to have a church that they are not testimonies. Refuse to have a church that the news is not in the city. The Bible says when our Lord Jesus Christ was entering the city, something happened. I am the only Son of God. Je suis le seul, l'unique fils de Dieu. I cannot enter the city quietly. Je ne peux pas entrer dans la cité. He provoked a sedition. Il a provoqué from inside the town. Dans la they ville. Brought in front of the gate of the city. Devant les portes de la cité. They brought him a dead person. On a porté une personne morte. At the gate. À la porte. Because this miracle was supposed to be performed at the gate, not inside the city. Parce que ce miracle devait être so that the news at the gate will be alarming and spread in the city and announce the coming of the king. I looked at it and asked, why? Why did they bring this guy only at the gate? Pourquoi est-ce qu'on a guéri ce seulement? Was it to discourage our Lord Jesus Christ not to enter? The Lord told me no. It is because I want them to know that I am not ordinary. I am not an ordinary person entering the city. I am coming with good news. And the good news has set you free. We don't know when the good news will experience goodness. You knew the age of Elijah. Elijah became old. But the anointing was still So powerful. Très puissamment. When God anoints you, lorsque Dieu te the anointing is forever. L'onction est pour toujours. It is for you to manage the anointing. C'est maintenant de toi qui gères l'onction. There is a way to manage anointing. Il y a une manière de gérer l'onction. God anoints you. Dieu t'a oué. You pass your time now. Poisson brisé, poulet,
wine, serious alcoholic wine. Some pastors are taking beer. Bad habit in the church. They say the wine will make you digest. Then you should take one glass as Timothy was taking. And the glass will digest you, sir. So when you are taking and finishing one bottle, you are still taking one glass of digestion. This is not correct. And let me tell you, most of these great men, la plupart de ces grands hommes, know that you are a man of God and you have to go far. Ils savent que vous êtes homme de Dieu et que vous devez évoluer. When they invite you in their house, lorsqu'ils vous invitent chez eux, they will heal you, make you so big. Ils vont vous glorifier, ils vont vous acclamer. And when you enter, et lorsque vous entrez, oh l'homme de Dieu, oh, réjouis-toi, assieds-toi, réjouis-toi. J'ai un ministre venu de la France, donc je veux qu'on prenne un peu là. Petit verre. Moi, le gars, c'est. Le monsieur, c'est, il connaît même. Moi, j'étais moi au village, Dieu m'a appelé, je suis venu en ville. Je n'ai jamais goûté un vin de France. Jusqu'à. Oh, mais donc le. Hey, Seigneur, tu m'as augmenté aujourd'hui. By the time you are finishing the wine, pendant que tu es en train de finir ce vin, they have also initiated you. On t'a déjà initié. Yes? Oui. And you will know it. Et tu le sauras. Then you are initiated. Que tu es initié. Because the way you were moving, you will not move like that again. Parce que la manière dont tu es voyé, tu ne pourras plus voyer comme ça. You know it. Tu le sauras. Amen. Amen. Listen. Écoutez. If the church is well in the city, si l'église est the bien city bien, is well. La ville sera bien. The city is well. La ville sera bien portante. That is my main goal. Don't fight for members. But fight to have God with you. Don't fight for members. Fight to do what? Have God with you. When you have God, anointing pull crowd towards you. The Bible says anointing breaks every yoke. So you can never be yoked. You can never be yoked. No part of your life can be yoked. By the reason of that anointing, you cannot be yoked. Vous ne pouvez pas être assujetti. Okay. D'accord. As you are talking, pendant qu'on parle, there are altars in this city breathing. Il y a les hôtels dans cette ville qui respirent. But the church is stressing. Mais l'église est là. Occultic altars, they are order proof. They are all proof that occultic altars are breathing. Les hôtels occultes sont là, ils respirent. They are prospering. Ils prospèrent. Their businesses are prospering. Leurs affaires prospèrent. You are hearing records of death. J'entends des rapports de mort. Around your corner. And you know that these are occultic people. Et tu sais que c'est les occultistes. You even know that me not kill you plus you. Tu évites même pour que ça te tue. Turn and tell somebody face them. Face them with God. Face them and face the world. Confronte-les bien. We are raising a generation of facing them. We are raising a generation of facing them. A generation of facing them. If you are drinking blood to make money, as I'm talking in this city, I don't care how big businessman you are. I order you to stop it. And your business will crumble. Yes. If you are drinking blood to have the billions you are having, as this voice is talking in this city this night, it is calling you wherever you are to repent. If you don't repent, the next blood will also carry your own blood. Repent and give your heart to Jesus Christ. Repent. As this voice is talking here, it is covering the whole city of West. Amen. It depends on how we're talking. Ça dépend de comment nous parlons. Are you hearing? Yes. I'll prove it to you. The Lord told Abraham, well, le Seigneur dit Abraham, Abraham, don't be worrying me. Don't look as Lord looked and just have a small grass to feed animal. Ne regarde pas comme lui a convoité. Abraham, I love you. I'm looking for a man on earth to look, to bless you abundantly. Je cherche un homme sur la terre pour te bénir abondamment. Abraham, Abraham, as far
he gave the seen property to Abraham. He left the dimension of which Abraham to see to Abraham. So it is to a man that God wants to see, as you can see, I take you to that place. He told Abraham, as you can see, I give it to you. Abraham look at the whole earth. Abraham did not use his physical eyes. Abraham covered his eyes and turned around the whole earth. Father, I did not look at Israel. I looked at the whole earth. Le Seigneur a dit d'accord. I make you a father of nations. Je te rendrai maintenant père des nations. Lot was greedy. Lot, greediness made you to harvest small. L'égoïste va te pousser à voir rien que. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Greediness make you to do what? L'égoïste te fait avoir un coup. And rush you into problems. Look at what finally happened to Lot. Regarde à ce qui s'est finalement passé avec Lot. That is how many men are today. C'est comme cela que beaucoup d'hommes sont aujourd'hui. You don't look deep. Vous ne regardez pas profondément. Because of greediness, you look shallowly. À cause de l'égoïsme. Everything Lot had was gone in what? Where? Oh, am I talking to some people here? Are you reading your Bible? Est-ce que vous lisez vos Bibles? Everything that Lot had went to where? Tout ce que Lot avait, I don't know how Lot found himself. With from my holy companionship with Abraham. De ma compagnie avec Abraham. To a fornicating community. Avec une fornication. In Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. He found himself there. Il s'est trouvé là-bas. He was not sinning. But the men of the cities were sinning. Mais les hommes de la ville péchaient. How did he find himself there? Et comment s'est-il trouvé dans cette ville? Comment s'est-il trouvé dans cette ville? Be careful. Faites attention. Let nothing take you to an area which you don't like to live there, but you are living there. Que rien ne vous amène dans une zone où vous ne voulez pas vivre, mais vous vivez là-bas. When you fear God, lorsque vous craignez Dieu, it is the beginning of good life. C'est le commencement de la bonne vie. The Lord said in the book of Exodus, I am the Lord your God. Je suis le Seigneur. Worship no other God. Tu n'auras aucun autre Dieu que moi. But what? People that have the fear of God, their language is refined. Ceux qui ont la peur de Dieu, leur langage est. Am I talking to somebody here? When you have the fear of God, your language is what? Refined. You will not hear insults. All these insults, loveless and you, the ghost at what? You will not hear that. People that fear God, their language is refined. Le langage est abusé. They talk with love because God is love. Ils parlent avec amour parce que Dieu est amour. Pride disappears from people that fear God. Pride disappears. L'orgueil disparaît de ceux qui craignent Dieu. Yes, we are nothing before Jesus Christ. Nous sommes rien devant Jésus Christ. Take it to the cities. Amenez cela dans les villes. You know what? Take it to the cities. It is starting today. Ça commence aujourd'hui. The fire is ignified today. Le feu s'est agrandi aujourd'hui. The fire is lighted today. Le feu est allumé aujourd'hui. In the whole city of West, the fire is lighted today. Le feu est allumé and aujourd'hui. The thunder has started striking from heaven. Et le tonnerre a commencé à all demonic altars in this western region, follow the people of my father. I have been assigned to come here today. Levez-vous. Levez-vous. Are we ready to pray? Est-ce que nous sommes prêts à prier? Are we ready for prayer? Est-ce que nous sommes prêts pour la prière? Lift up your hand. Levez les mains. Say, Father. Dis, Père. I can do nothing by my own. Je ne peux rien faire de moi-même. But all is your doing, Lord Jesus Christ. Mais tous ce sont tes œuvres, Seigneur. Lift up your hands. Levez les mains. Say, Lord Jesus, thank you. Dis, Seigneur Jésus, merci. For locating me today. De me localiser aujourd'hui. And bringing me into this holy presence. I know, Lord Jesus Christ. That I'm not going back the same way I came. You have taken away my burden. And you have given me life. Life in its fullness. Clap for Lord Jesus Christ. These people are too far. I want them, let them ship in front here. Bring them. I love being around my people. Bring them here. Approchez-les ici.
Lift up your hands and say thank you, Lord. Levez les mains, merci Seigneur. Holy Ghost so good. You are no challenger. Oh Lord, you are so good. Yeah, we must be. Oh Lord, you are so good. You are no challenger. Oh Lord, you are so good. Yeah, we must be. Oh Lord, you are so good. And go there so that you can grow. I have not come here to open any church. I have come here for the land to be free. Amen. I am always in the church. Amen. Yes, my mission is let the land be well. Amen. So what will happen is that if you have not repented before, you will repeat this prayer after me. Amen. You repeat this prayer after me because of time. Coming out and going out, you know, it takes some time. Where you are, if you have not repented, tu vas répéter cette prière de repentance après moi. C'est ça? Hein? Ça veut dire que tu as décidé de donner ta vie à notre Seigneur Jésus. Et tu vas laisser. Tu vas laisser quoi? Marabout et quoi? Nyang nyang. Et quoi encore? Tu vas laisser les crânes aussi, non? Non, ça c'est un passe pour demain ou un autre jour. Les crânes. Vous ne savez pas que quand tu vas lever l'esprit de mort là, c'est parce que tu veux aussi la mort. Ça te prend, tu pleures encore quoi? Hé, hey, les mamans, quand vous partez enlever les têtes là, déterrer les têtes, quand tu pars déjà faire les traitements avec le monde, c'est parce que quoi? Tu aimes le monde, non? Et il va te tuer aussi. Tu as refusé qu'il ne peut pas adorer les esprits de mort. Tu as refusé l'ongambé. Hein? Les marabouts, c'est les agents démoniaques. Ils sont là pour recruter les gens pour s'étendre. Tu as refusé la fornication. Les gens qui sont en train de forniquer, laissez la fornication. C'est ça? Pour
Coucher avec les hommes que tu n'as pas marié, ce n'est pas bon. Coucher avec les femmes que tu n'as pas marié, ce n'est pas bon. Qui a refusé cela? L'alcoolisme, qui a refusé? Je veux vous prouver, qui a dit que quoi? C'est mieux d'être rempli avec l'Esprit de Dieu au lieu de l'alcool. En tout cas, au Cameroun, on a vraiment donné son nom, vente emportée. Donc, on te vend, on t'emporte. Ce n'est pas ça. En anglais, alors, c'est grave. Off-license. Ça veut dire que off-license, a license that makes you go off. So, if you want to make people go off, they will give you none now. Joe will give you off license now. The license to be making people go off. Am I the one saying it? Please, I'm talking this. We need men of God to rise in the nation of Cameroon. To sit, rise. And the owner of truth will back you. Tu vas aller chez le marabout. Il te donne ce qu'il te donne. Tu crois que c'est bon pour toi. Donnez avec la main gauche. Il a pris avec la main. Il te donne quelque chose pour attacher. Ou il coupe l'autre comme ça. Il coupe souvent, non? Il coupe comme ça, mais c'est la carte SIM qu'il met sur toi. Voilà, c'est une carte. Tu connais la carte SIM? Ton téléphone là. Allô? Tu allais prendre la carte SIM chez MTN, non? Voilà. Quand partout là où tu es, n'est-ce pas, tu as le réseau MTN? Donc, partout là où tu es, tu as le réseau de Maraboula. Oui. Il met ça pour qu'il peut te accéder à tout moment. Tu avais seulement les mots de tête, mais le rein commence. Les pieds commencent. Ceci, pourquoi? Il a accès dans ta vie par les produits là qu'il a mis. Tu crois qu'il t'a guéri? C'est même eux qui cherchent les maladies partout. Les marabouts là, c'est eux qui cherchent les maladies partout. Quand ils cherchent, il attend. Viens, viens, je vais te donner la solution. Et quand tu passes ce qu'il a mis là, il l'enlève maintenant. Bien, il va enlever. Tu vas sentir que c'est parti. Mais ce qu'il va prendre, c'est toute ta vie. Qui m'explique tout ça? Et les conditions qu'il vous donne là, par exemple, tu n'as pas l'enfant, tu passes chez le marabout, tu dis que tu veux que le marabout te donne quoi? L'enfant. Il te dit, apportez un poule blanc, chèvre sans tache, et habit blanc, tête bougie, tout ça là, c'est les demandes que les esprits demandent. C'est les choses que les esprits demandent. Et quand il dit que va attendre, 3 jours tu reviens, c'est pourquoi? Il veut partir dans l'eau. Il veut partir peut-être travailler avec les esprits de marée. Il veut aller là-bas demander et donner les choses aussi. On produit un enfant dans l'eau. Un enfant qui va même te tuer toi-même. Il va grandir comme un rebelle. Tout ton argent est parti, certains même encore. Ils rentrent là où ils ne sont pas venus. Un enfant, quand tu vas accoucher, comment ça grandit? Quand tu lui dis mouvi, tu dis hey! Tu me dis mouvi. À quel âge? L'enfant te gronde. Ça, c'est un enfant. Ou c'est une agence de modèle? Toi-même, tu cherches même fusil de fusiller ton enfant, de tuer ton pas d'enfant. Donc, ça là, pardon, ça m'a dépassé. C'est pas que tu allais plus que dans l'eau. Mais quand il parle, le marabout là travaille. Mais c'est un saint de l'eau. Il va dire, pas là-bas. C'est lui qui m'a travaillé. Lorsque tu es en train de porter tabac de mort, tu n'as pas dit. Le marabout ne donne jamais l'enfant. L'enfant vient de Seigneur Jésus-Christ. Il y a même le marabout. Quand même, monsieur. Je vis ensemble, tu es un peu brûle. Tu étais allé chez un marabout pour qu'il fasse traiter ou quoi que ça soit là. Il a cherché plutôt pour coucher avec toi. Tu n'es pas un seul. Je veux te voir ici maintenant.
Parce que dès qu'il a, tu as des problèmes graves maintenant. Kumalabola, il dit, voulait coucher avec toi. I want to sleep with you. Sortez ici, je veux prier pour toi. Il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas toi qui m'as dit, c'est le Seigneur qui m'a monté. C'est vrai. Oui, je veux prier pour toi, mais je dis, je veux une femme qui est prête. Je veux la femme brune. Tu ne m'aimes pas seul. Fais. Combien? Il va inscrire vous, marabout. Combien? This is the woman of. Come here! This is the woman we're looking for. Come here. Here. Come see me. He gave you spiritual husband. You speak French? No. Tu parles quoi? Français. Depuis, tu vois un homme maintenant, il vient coucher avec toi dans le rêve. Tu fais le sexe avec un homme dans le rêve. Et cet homme-là, c'est un mari spirituel qui t'a possédé. Et tu serais délivré aujourd'hui. Depuis cet acte-là. In Jesus' name, you are free. Clap for Jesus! Clap for Jesus! Répétez cette prière de repentance après moi, tout le monde est où? Dis Seigneur Jésus-Christ. Si tu t'es pas encore repenti, voilà la prière qui va t'amener dans le royaume de Dieu. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je sais que j'ai péché contre vous. Viens dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, j'accepte que vous êtes le seul Fils de Dieu. Vous êtes venu sur cette terre, mouru sur la croix, a été enterré, vous vous êtes ressuscité et vous êtes vivant aujourd'hui. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je donne mon cœur à vous. Je déclare du fond de mon cœur que vous êtes mon seul Seigneur. Dieu est sauveur à partir de cet instant. Seigneur Jésus-Christ, viens rester dans ma vie à partir de ce moment jusqu'à la fin de temps, jusqu'à ton retour. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Bienvenue dans la royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, faites tout et tout. Il y a beaucoup de hommes de Dieu. Si vous êtes hommes de Dieu là-bas, je veux voir les mains en haut. Allez rencontrer les hommes de Dieu là-bas et ils vont vous diriger les églises là où vous allez adorer Dieu pour mieux vivre. Amen. I do this because we have a lot of job. On a beaucoup de travail à faire maintenant. Temps de sortir et de rentrer, tout ça, ça nous prend le temps. Amen. Now, you repeat this prayer in English. If you have not repented before, say, Lord Jesus Christ, I know I am a sinner. I have sinned against you, Lord Jesus. Come into my life. Be in my life as from this moment. I believe that you are the only Son of God. You came to this earth. You died on the cross of Calvary. You were buried. You resurrected from the dead. And you are alive today. Come into my life, Lord Jesus. Be in my life. As from this moment, until the end time comes, until you come again, Lord Jesus. In your mighty name, Lord Jesus Christ, I pray. Amen. You are all welcome to the kingdom of Lord Jesus Christ in Jesus' name. Amen. You had a problem with your stomach. You had a problem with your stomach. And I saw you went to the marabout man. Yes. Yes. If he sleep with you,
Est-ce qu'il a couché I avec want yes or no. Yes. He sleep with you. If you want put the mix in her. Comment voulez-vous mettre ce dommage en vous? Please, don't be victims. Si don't be what? Ne soyez pas victimisés. Since that time, your problems have instead increased. Do you know that? Your problems have instead increased. Mais vos problèmes se sont plutôt aggravés. But be free in the name of Jesus Christ. Mais soyez libre au nom de Jésus Christ. Whatever is holding you from Satan. Look here. Je tiens sur Satan. Open your eye. Be clean. Be clean. Soyez nettoyé. Be clean. Soyez nettoyé. Be clean. Go. It's well with you. Allez, tout va bien. Watch prophecy and deliverance going on right now. Prophecy and deliverance. Prophet Frank, Kingship International Ministry. Listen, Bafusan. Send fire, fire, fire! Envoyez le feu, s'il vous plaît! Toi, esprit démoniaque. Fire! 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 For Jesus, appreciate the Lord. This will be delivered from ancestral powers. Be free. Stay connected as you receive your deliverance and prophecy from the man of God. Be free. In Jesus' name. God using his anointed servant, Prophet Frank. Be free. Come here. You are from where? Where you? Tell the help me and father. Tu cherches encore. Bien. Where? I don't know where. Clap for Jesus Christ. Et dit que tu cherches. Moi, je vois tes yeux. Tu cherches l'enfant. Hein? Tu es parti, dis que tu vas donner l'enfant là comment? Parle en toi. Je sais rien. Elle m'a dit de rien, mais que j'ai à 15 heures, ma copine est allée sur toute place avec moi. Elle a dit que non. Le type a dit que c'est même lancer un sort aujourd'hui, je ne suis pas trop. Et c'est tout le monde qui m'a dit. Plutôt c'est un esprit de séparation. Tu es marié. Où est ton mari? Il t'a donné. Lui l'a dit. Tout. Il a doté, oui ou pas? Il a toqué la porte où il a doté. Tout, tout ce qui vivent dans les maisons sans doté, vous êtes les pécheurs. Allez faire la dot. Allez vous faire doté. Toi, l'homme qui vit avec une femme que tu n'as pas doté, tu es un pécheur. Et c'est pour ça que tes choses sont attachées. Allez vous doté. Allez doté ta femme. Et la femme allait te faire doté. In English, if you are living with a man, then you are not yet married, they have not done you, you are a sinner. You are fornicating. Ton problème, c'est un esprit de serpent. Ça marche souvent ici. Parle. Ça marche souvent ici. Et tu as le problème de tout ton corps. Tu as souvent le problème de cinéma. Métis. Le démenstrue, quand ça veut venir, ça y a du mal. Ça me fait mal. Ça te fait mal. Hein?
Voilà, mais tu serais délivré. C'est parce que tu as un esprit de serpent. Quand tu rêves, même tu vois le serpent dans le rêve. Et c'est ça qui te demande et ça mange tous tes enfants. Quand le sperme entre, il mange. Et ça vient des hôtels ancestrales dans votre famille. Soyez délivrés. Be free. Be free in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Be free, thank you. Be free. Be free. In Jesus' name. Go and bear your children. Go. Make a note for the time. Go and bear your children by the power in the name of Jesus. Go. It's well with you. Go and carry your children. Puisque le Seigneur Jésus-Christ. Bon, carré. Jésus-Christ. Are you married? Est-ce que vous êtes marié? Hein? Non. Tu étais d'abord avec ce monsieur. Tu dis non. Tu étais d'abord avec ce monsieur qui est géant comme toi. Mais ça n'a pas donné. Hein? Non, de Dieu, non. Mais j'ai vu une union. Ils étaient ensemble, vivaient ensemble, hein? Mais ce n'est pas mariage. Mais tu fais que c'est là, tu disais aux gens que c'est ton mari. Hein? Tu disais que c'est ton mari, alors que si c'était toujours bon comme ça là, n'est-ce pas, tu disais aux gens que ton mari, tu devais être avec lui. Mais arrêtez le péché. Et à partir d'aujourd'hui, si tu arrêtes là où tu es, le Seigneur Jésus qui donc t'a pas de mariage. Tu vas arrêter. Hein? Tu sais que tu as trop mal fait. J'étais vu, tu es sorti avec ce monsieur qui est marié. Hein? Tu sois avec le mari de quelqu'un, pourquoi? Et d'un coup, tu ne veux plus sortir. Repartis alors, repartis. Voilà. Laisse le monsieur là, il est marié. Laisse, abandonne. Il ne va pas te faire des enfants. C'est le mensonge. Il va t'utiliser comme ça et jeter. Il ne va pas te faire des enfants. Tu as compris? Voilà. Maintenant, comme tu as laissé le monsieur là, tu vas repartir devant le Seigneur parce que tu as brisé l'alliance entre les deux personnes. Vous ne savez pas, c'est très mauvais de sortir avec un homme marié. Vous les femmes là, les jeunes femmes, ne faites jamais cela parce que tu es un briseur d'alliance. Tu es un braqueur de hommes. Partez-vous. C'est pas la vérité. Voilà. Il reste connecté avec le Jésus-Christ. Délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et recevez ta part de mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Appréciez le Seigneur Jésus-Christ. You speak English or French? Hein? I saw you had polygamy. Je vous ai vu, j'ai suivi polygamy. Widow, I saw you have polygamy. That means a man who is double dealing. He was supposed to go having a wife. He went. There is another lady. And then you are another one. Married to him, leave the team. You know, your womb has a problem. But God will deliver you. Mais and what the action? You went to the marabout to do what? To look for love. He wanted to put the love on her. He used his finger and he wanted to steal the hand. He wanted to put the love through his arrow. The country here, he vibra comme le tonnerre. Il te fraye. Pourquoi? Parce que quand ils vont dire les choses, ça ne refuse pas. Just ask God for forgiveness and today you will be delivered. Demandez la miséricorde de Dieu et je vous serai délivré. Be free.
J'étais connecté au peuple de Jésus-Christ. Using the man of God. You are all free in the name of Jesus Christ. That act has been cancelled for you in Jesus' name. Jesus bless you. So thank you, Lord Jesus. C'est le moment de la prière. It's time for prayer. C'est le moment de la prière. Begin to table your problem to God. Commencez à présenter vos problèmes à Dieu. Because we are getting into the realm of prayer now. Parce que nous entrons dans le règne de la prière maintenant. Begin to table your prayer to God. Commencez à présenter votre prière à And Dieu. You are not going back the same way you came. Vous ne retournez pas de la même manière. Begin to table your prayer to God. Prayer. Commencez à présenter vos problèmes à Dieu. Open your mouth and pray. Ouvrez vos bouches et priez. Snake, I order you to go. C'est bon, je t'ordonne de sortir. You're free. Tu es libéré. Begin to tell your problem to the Lord. Commencez à présenter vos problèmes au Seigneur. Bring it. Begin to tell your problem to the Lord. Commencez à présenter vos problèmes au Seigneur. Demon, you spirit of setback. Toi, esprit de régression. I order you to go. Je t'ordonne de sortir. All over your body, fire. Sur tout ton corps, feu. Say you agent of darkness. Tu es agent de ténèbres. Holy my life. Tu es ma vie. Fire. Fire. If you have been dreaming, si vous avez rêvé,
And you see a man coming to you to sleep with you in the day. Et vous voyez un homme qui vient coucher avec vous dans your la house, spiritual husband. C'est un mari spirituel. You see a man coming house to spiritual husband. Si c'est une femme, c'est you see a woman coming house spiritual wife. You see yourself back in your family, compound. Your house spiritual en arrière. Set back. Dans votre condition familiale, c'est l'esprit. Jesus will liberate you today. Le Seigneur Jésus vous libère aujourd'hui. You are seeing snakes in your dreams. Vous voyez des serpents dans vos rêves. You are married to the snakes. Vous êtes marié à ces serpents. Every spirit of snake has a ya. Spirit of Sinek, Asaya! Spirit of Sinek, Asaya! Spirit of Sinek, Asaya! Holy Ghost, 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 I am. 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 Fire! 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 Listen. Écoutez. Lift up your hand. Levez la main. All of you, stretch your hand here. Étendez tous les mains. I am anointed for your liberty. I am anointed for your liberty. Any spirit in you. Tout esprit en vous. That is not of God. Il n'est pas de Dieu. Cachez-la. You must be clean. Tu dois être nettoyé. I say you must be clean. Je dis, tu dois être propre. You must be clean. Tu dois être propre. All over your body fire. Partout sur ton corps le feu. On your legs fire. Sur tes pieds le feu. On your legs fire. Sur tes pieds le feu. On your legs fire. Sur tes pieds le feu. All over your body fire. Everywhere your body fire. All over your body fire. Fire everywhere. Holy Ghost fire. Fire everywhere. Fire. Come here. Ici, vite, ici, à genoux, vite, ici, à genoux, les mains en haut. Qui es-tu? Je suis. Qui? Je suis pour les parquets. Tu l'as possédé pourquoi? J'avais vu, il avait les chances. Tu avais vu quoi? Il avait les chances. Il avait la chance. Oui. Tu ne voulais pas? Oui. Et tu as pris la chance pour faire quoi avec? Je n'ai pas pu prendre à cause de vous. Tu n'as plus peur de. Viens, si vite! Holy Ghost! Yeah! Holy Ghost! Yeah! Holy Ghost! Yeah! Every power, toute puissance. That has taken something from you. Qui a ôté quelque chose de vous. God will deliver you. Dieu va vous délivrer. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I say God will deliver you. Je dis Dieu va vous délivrer. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Say thank you, Lord Jesus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Elle est malade de quoi? Son cas est urgent. Elle est malade de quoi?
Le rein jusqu'au pied. Oui, elle est paralysée. Elle est paralysée. Oui. Depuis. Une semaine. Oh. Ce n'est que le diable comme ça qui a fait ça. Elle s'appelle qui? Damaris. Damaris. Même pour parler, rien. Rien. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Damaris. La puissance de résurrection te délivre au nom de Jésus Christ. Amen. Même pour parler, tu vas commencer à parler maintenant. On ne va plus te porter, tu vas marcher. Damaris, receive your speech. C'est le marabout qui l'a coiffé comme ça. Le coiffeur. Moi, je connais ce que les gens là peuvent faire. Jesus' name. Au nom de Jésus. Damaris, dis Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Hein? Dis Jésus-Christ. Wait. Dis Jésus-Christ. Voilà. Clap for Jésus. Clap for Jesus Christ. Jésus-Christ. She has started talking. And very soon she will use these very legs. She will use these very legs. In Jesus' name. Say thank you, Lord Jesus Christ. Lift up your hand and wave and say thank you, Lord. All of you here, the sick, be healed in Jesus' name. Tu ne parles pas. Viens, Sylvie. Tu vas parler. Avale le feu ici, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Viens ici. Viens, Sylvie. Le sol là où tu es assis là-bas, le feu là-bas. Tu t'en annonces là-bas. Viens, Sylvie. Sur tes pieds, le feu. Viens, Sylvie. Qui es-tu dans elle? Tu dis que tu es qui? Sa voisine au quartier. Parlez haut de moi. Sa voisine au quartier. Tu es sa voisine au quartier? Oui. Pourquoi tu l'as possédée? Pour rien. Pour rien? Oui. Tu as gagné quoi? Puisqu'elle déteste trop sa famille. Hein? Oui. Tu l'as possédée? Oui. Tu es dans quelle réunion? Je ne dis pas. Tu ne dis pas. Qui t'a donné la puissance? C'est ma mère. C'est ta mère. Elle a donné la puissance là comment? Dans les rêves. Dans les rêves. Oui. Elle est venue te donner ça dans les rêves. Oui. Toi, donc tu as commencé à posséder d'autres gens. Oui. Tu as quel animal? Le serpent. Tu as le serpent. Tu utilisais le serpent là pour faire quoi avec? Pour tuer les gens. Tu tues avec le serpent comment? Je bois le sang. Tu bois le sang. Oui. Tu viens avec le serpent boire le sang comment? Oui, je nuis les gens dans leur vie. Tu tues les gens? Oui. À quelle heure tu viens nuire les gens? À partir de minuit. À partir de minuit. Tu viens nuire les gens. Oui. Ta sorcellerie là va finir aujourd'hui. Vous êtes à combien à elle? 27. Vous êtes à 27. Le nom de votre réunion c'est quoi? Le groupe, on vous appelle qui? Les sages-femmes du quartier. Les quoi? Les sages-femmes du quartier. Parle-toi. Les sages-femmes du quartier. Les sages-femmes du quartier. Quel quartier? Quartier 6. Quartier 6. Oui. De quel côté? Derrière la prison. Derrière la prison. Oui. Il y a un quartier qu'on appelle quartier 6. Derrière la prison. Voilà le secret qui est dévoilé aujourd'hui. Vous voulez entendre encore? Quartier 6. Je suis fatigué. Quartier 6. Donc vous faites la réunion là-bas au quartier 6 derrière la prison à quelle heure? À partir de minuit. Votre réunion est chargée de faire quoi dans ce quartier?
Je nuis les gens. Je nuis les gens. Vous nuez les gens comment? Je suis fatiguée. Donc vous êtes les femmes de ce quartier avant combien? 27. Vous venez, vous faites la réunion la nuit. Vous nuez les gens là-bas. Vous nuez comme ça, vous prendre quoi chez eux? Pour prendre le sang. Pour prendre le sang. Oui, on se rajeunit avec. Quand vous prenez le sang, vous faites quoi? On se rajeunit avec. Vous vous rajeunez avec? Oui. Pour gagner quoi? On est bien tous les jours. Vous êtes bien comment? Allô? Vous êtes bien comment? On va attaquer votre réunion là. Et votre mamite. C'est fini aujourd'hui. Hein? Bye bye. C'est fini. Les femmes sages, lève-toi, levez-vous. Ce royaume-là va se terminer aujourd'hui. Et le peuple de Dieu sera libéré de ce côté-là. Les sages femmes, 27, dans le quartier 6, derrière la prison, c'est là-bas! C'est là-bas! C'est là-bas! C'est là-bas! Qu'est-ce qui se passe dans votre rayon? Le feu. Le feu a fait quoi? Ça brûle. Ça brûle quoi? Aïe. Ça a brûlé quoi? Demain. Ça a brûlé quoi? Aïe. Votre mamie là, on casse avec le feu. Feu. Votre mamie de sang. Feu. 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 Le feu. Le feu fait quoi? Pardon, je vais partir. Tu ne rentres pas. Aïe. Tu ne sais pas ce qui t'a arrêté ici. Le feu a fait quoi? Le feu a fait quoi? Aïe, ça brûle. Ça brûle quoi? Ça chauffe. Ça chauffe. Ça brûle quoi? Aïe, le royaume. Ça brûle le royaume. Où sont les autres membres? Sont chez eux. Où est votre? Je suis seul ici. Tu es seul ici. Où est votre chef? Le chef, c'est qui? C'est un nom. C'est un nom? Oui. Il s'appelle qui? Dicky Robert. Dicky Robert. Oui. Appelle Dicky Robert de venir ici. Vite! Il ne vient pas. Non, on va lui convoquer. Lève-moi. On va convoquer Dicky Robert ici. Dicky Robert! On te convoque par le feu! Tu te trouves, on te convoque ici par le feu! Par le feu! Par le feu! Tu es venu? Tu es venu? Oui. Toi, c'est qui maintenant? Je suis Dicky Robert. Tu es Dicky Robert? Oui. Love for Jesus Christ. C'est toi le chef de ce groupe? C'est moi. Le nom de ton groupe, c'est quoi? Les sages-femmes du quartier. Les sages-femmes Mais du je suis le seul homme parmi. Tu es le seul homme parmi eux? Oui. Ok. Vous faites quoi? Vous faites quoi aux gens? Voilà! Tout à l'heure, qu'est-ce qui est arrivé dans ton royaume? Tu as vu quoi? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Le feu, ça brûle partout. Tu croyais que quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as vu ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? On attendait la paix. Tu attendais quoi? La paix comme d'habitude. La paix? Oui. La paix comment? Ce qu'on fait d'habitude. De nuit les gens. Donc quand vous nuez les gens, plutôt pour vous c'est la paix. Oui. Nous sommes aussi venus pour vous nuer. Lève-toi! Dicky Robert, lève-toi vite! Qu'est-ce qui t'a fait venir? Qu'est-ce qui t'a convoqué de venir? Tu as vu quoi? Je ne sais pas, je regrette. Tu regrettes quoi? Tu regrettes quoi? Je regrette d'être ici. Vous nuez les gens là, tu prends tous les sacrifices là pour faire quoi avec? Tu fais les affaires? Non. Tu fais quoi? J'arrange mes enfants avec. Tu arranges tes enfants avec? Oui, je guette mes enfants pour arranger dedans. Tu gardes les enfants pour arranger ta part? Oui. Tu prends quoi chez les enfants les autres? Je les garde tout, je les nuis tout, même la maladie, tout, toutes les malchances. Ok, toi tu es combien? C'est plus de 50. Plus de 50. Tu as déjà tué plus de 50. Ok. Et je voulais aussi tuer son père. Tu voulais tuer le père de la fille ici? Oui. Pourquoi? Je déteste trop son père, il est trop sage. Tu fais comment pour tuer? Explique. Explique. Tu fais comment pour tuer?
chicote. Tu fais comment pour tuer? Tu fais comment pour tuer? Ça reparle souvent les femmes du quartier. Hein? Les femmes du quartier. Tu fais quoi? Ça reparle les femmes du quartier. T'es allé faire quoi? T'es allé faire quoi? Tu les envoies d'aller tuer par quel moyen? Comment? Dicky Robert, tu travailles avec. On dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Oui, patron. Oui, patron. Clap for Jesus Christ. Jésus-Christ est le seul patron. Vous travaillez avec quel autre royaume encore? Tu prends la puissance où? Tu prends la puissance où? Dans l'eau à Banenkan. L'eau de Banenkan. L'eau de Banenkan. Oui. L'eau de Banenkan, c'est où? Le royaume de Sage-Femme, de quartier 6, derrière la prison. Sois là-bas! Sois là-bas! Fire! 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 Qu'est-ce qui est arrivé dans votre royaume? Le feu. Tout est brûlé. Oui, je suis fatiguée, pardon, je vais rentrer. Tu veux rentrer où? Je vais rentrer chez moi à la maison. Je dors où? Aïe. Ton corps physique est où maintenant? C'est où? Présentement, ton corps est où? C'est dans mon lit. C'est dans ton lit? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant? Le feu. Le feu? Le feu sur mon lit. Le feu sur ton lit? Oui. Donc, où sont tes enfants? Mes enfants sont à Bafoussam. Ils sont à Bafoussam. Oui. Toi, tu es où maintenant? Je suis à Banganté. Tu es à Banganté. Oui. Tu étais à la maison avec qui? Avec ma femme. Avec ta femme? Oui. Où est ta femme? Elle est sur son lit. Elle est sur son lit? Oui. Tu es sur ta part? Oui. Vous vivez dans les chambres séparées? Ok. Parce que tu fais trop la sorcellerie, non? Pourquoi vous vivez dans les chambres séparées? Oui, monsieur. Hein? Pourquoi vous vivez dans les chambres séparées? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas qu'elle connaisse ce que je fasse. Tu ne veux pas qu'elle connaisse ce que tu fais? Oui. Lève-toi. Va ouvrir ta porte. Tu appelles ta femme par le nom. Elle va connaître tout ce que tu fais aujourd'hui. Ouvre! Ouvre la porte, tu sors dehors. Ouvre! Tu as ouvert la porte. Monsieur. Ouvre! Appelle ta femme. Viens. Viens quoi? Appelle son nom. Appelle son nom. Marie, viens. Marie, viens. Oui. Marie qui? Marie Djeké. Marie Djeké. Oui. Expliquez à Marie ce qui se passe alors. Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Oui, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Oui. Ok. J'arrête ton cou. J'appuie. J'appuie. J'appuie ton cou. Tu vas dire? J'appuie. Tu vas expliquer? Tu vas expliquer? J'appuie ton cou, tu vas expliquer. J'appuie ton cou. Je sais encore. Tu vas expliquer. Tu vas expliquer. Tu vas expliquer à Marie. J'appuie. Je sais. Tu vas expliquer à Marie. Tu vas expliquer. Parle au toi. Je sais. Tu vas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais ton cou. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ton cou? Qu'est-ce qui arrive? Parle! Hein? Que quoi? Que quoi? On sait mon cou. On sait ton cou. Oui. Tu vas dire à Marie? Non. Tu ne vas pas expliquer? Oui. J'appuie encore. Aïe, je vais partir. Je sais. Rentre ici. Je rentre comme de pied. Lève-toi vite, tu viens ici. Viens ici. Lève-toi vite. Avant que je pense que toi tu es assis, hein? À genoux. Lève-toi. Tu vas partir maintenant. Tu pars et tu ne reviens plus. Ton royaume est terminé. Tu ne prends plus quelqu'un. Ton royaume est terminé. Lève-toi vite, Jiki. Avec tous tes membres, vous sortez. Tombez. Tous vos membres, sortez, vous partez au nom de Jésus-Christ. Avant que je compte sur toi, prends toutes les femmes là qui sont dans la piscine. Vous tous, vous partez. Un. Deux. Thank you, Lord. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur.
For years, she is free now. Après tant d'années, elle est libre aujourd'hui. Lève-toi, ça va? Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ton nom c'est qui? Divien. Non, tu dis que ton nom c'est Ndjiki. Ce n'est pas moi, je n'ai rien dit. Ah. Tu dis que tu vis où? Ta maison c'est où? Je suis à Banganti, mais je m'appelle Panti, qui m'appelle Viviane. Non, tu dis que ta maison est où? À Banganti. Tu as quitté Banganti pour venir ici? Oui. Mais tu dis que tu vis non, que dans l'eau? Non, 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 je ne sais pas ce qu'elle dit. Tu n'as pas dit ça? Oui. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Jésus Christ. Merci, Seigneur. Tu m'as pas délivré. You are a man of God. You are a Presbyterian pastor. But not yet full. You are a student pastor. I'm still in the making. You are still in the making. You want to make in the Presbyterian? No, I'm trusting God for divine direction. No, not a Presbyterian. I cancel it. Mm-hmm. In fact, you'll be delivered from that. Mm-hmm. Make it in the revival. Mm-hmm. Okay? The thing is talking inside you, say prepare. That thing should not come to you, I pray for you. One revivement to begin to break the line, you say you want to go and be sleeping in prepare. Be blessed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oui. Is a pastor? Hein? Yes, sir. Child! Child! Oh, thank you, Jesus. Look here. Look here. Christians here. I see them, they are standing somewhere. Thank you. Just because you have humbled and come here, your ministry have changed level. Your ministry has changed level. Crusade is beginning. Listen, we are going to pray a prayer now for this land. It begins today. I have said no occult kingdoms in this western region, in this Bafusan will break. We will convoke them. By tomorrow, they will not sleep well this night. I said they will not sleep well this night. Every human being, as I talk this voice,
heaven. It thunders in all the morning waters. Be it on the waters, be it in the rivers, on top of mountains, inside trees, in altars, wherever. As this voice is echoing there, I convoke you. We convoke you. Nous te convoquons. We convoke you. Nous te convoquons. By fire, by thunder. Fire! You altars of darkness. Sortez des ténèbres. In this West region. Dans cette région de l'Ouest. We fire you by thunder. Nous te fire! Fire you by thunder. My God and King, fire, 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 fire,